salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Resident Evil 0, c'est parti! Et nous voici de retour dans le manoir. Alors c'est pas le manoir de Resident Evil 1, c'est un manoir. Et j'ai regardé sur les commentaires et on m'a dit que j'aurais besoin du grappin un petit peu plus tard. Donc je pense que je vais aller le récupérer. Je me souviens plus par où j'étais passé, par tout Atis. C'était pas la porte je pense, attends. Non, ta gueule. Allez, j'appuie sur le bouton. Je vois la petite trappe. Parce que je me souviens bien que j'avais grimpé un petit truc. Donc je vois la petite trappe qui est par là. Je vais aller retourner récupérer le grappin. Voilà. Par contre je lui ai demandé de rester là. Alors est-ce qu'il va rester là ou est-ce qu'il va me suivre quand même? J'ai un petit doute là. Est-ce que c'est dans la même pièce que ça? Ah non. Ah putain, ouais effectivement il est vraiment resté là. Parce que le truc c'est que c'est lui qui a l'espace pour prendre le grappin, donc finalement c'est lui qu'il faut que j'aille chercher. Ok, bon bah écoute, c'est pas grave. En tout cas c'est vrai que la dernière fois il y a énormément de choses qui s'est passé et c'était vraiment plutôt cool. Il y a eu le train, il y a eu le crash du train, il y a eu un boss, il y a eu le fait qu'on soit arrivé là. Et on a vu des petites cinématiques avec pas mal d'informations concernant les gentils, les méchants et les toc-toc aussi. Parce qu'il y en avait un, il avait l'air à moitié... Il avait pas l'air tout seul, tu vois, t'as l'air d'avoir du monde qui lui parle un petit peu, qui lui raconte des histoires, etc. Il dit tiens, fais ci, fais ça, ok. Voilà, en tout cas, bon... J'espère que vous passez toujours un bon petit moment en ma compagnie sur Resident Evil 0 et je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui suivent la série, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Bienvenue, merci et j'espère que vous passez un bon moment. Alors, je ne garde pas les couteaux parce que j'ai pas de place de toute façon, hein, et j'ai les pistolets, de toute façon j'ai l'impression que les couteaux ça fait pas grand chose. Alors ce que je comprends pas c'est pourquoi il peut pas mettre directement des patates. À la limite si t'as pas de pistolet ou quoi, il peut mettre juste des coups de couteau. Mais je veux dire dans les films de zombies tu vois les mecs ils mettent des patates quand même, tu vois. Donc ça serait bien. Bon allez hop, on va rester ensemble. Let's regroup, okay. Voilà, parce que j'ai pas non plus envie de me faire chier à monter les deux à l'échelle, hein. On peut suivre un peu quand même. Voilà, donc on est définitivement et maintenant dans le hall du manoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Je trouve que le décor est plutôt sympathique. Et encore une fois, cette petite ambiance à la Resident Evil me plaît vraiment. Alors lui, il a plus d'espace et elle non plus. Par contre, elle a un petit ruban encreur dont je pense on va pouvoir se dispenser. Pour le moment en tout cas, on va le laisser. Voilà, on le laisse. Elle a plus de munitions, mais c'est pas grave. Je vais récupérer donc une petite plante verte au cas où. Et je la laisserai si jamais j'ai besoin d'espace. Alors là, je crois que c'est à peu près tout. Ah non. Ok, voilà. Ok, donc là, j'appuie sur le bouton pour voir à peu près où est-ce que nous sommes. Donc il y a une porte qui est ouvrable juste ici. Donc je pense qu'on va y aller. De toute façon, c'est pas comme si on savait exactement ce qu'il fallait faire. Par contre, je crois que je lui ai dit qu'on se sépare alors qu'il faudrait qu'on soit ensemble. Hey. Je me barre, je vais aller le chercher, mon pote. Je vais y redevenir. Parce que, est-ce que si je la laisse toute seule avec les zombies, est-ce qu'il y a un moment en pause? Ou est-ce qu'il le bouffe? C'est la question, parce que là, je pourrais changer de personnage, mais je pense qu'elle serait dans la merde. Enfin, je pense qu'elle se démerderait toute seule, elle tirerait sur les zombies. Waouh, j'imagine. Voilà, hop là, on recharge. J'aime bien ce petit décor. Ça m'a fait penser un petit peu en voyant le personnage au bout, là-haut, un peu à la scène qu'on avait sur Resident Evil 2. Il a l'air d'avoir un flingue sur lui, en plus, le coquin. Le robinet est rouillé. Plus. Mais je m'en bats les couilles du... Ah, il a un flingue! Putain, et il a sûrement des munitions, non? Bah lui, il va se lever, c'est sûr qu'il va y avoir un truc comme ça qui va me faire flipper. Donc, là-haut, bon, on va faire le petit tour pour voir ce qu'il donne. Il y a une porte fermée. La porte est ornée d'un symbole de feu. Alors là, je sais pas si on voit, mais on peut quand même passer à cet endroit-là. Hein? Mais non, il faut absolument passer par la porte. Alors, je trouve que c'est un petit peu le côté utilisé. Combiné. Ok. C'est bien qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Je trouve que c'est un petit peu ce côté trop linéaire qui me dérange un peu des fois dans les jeux. Surtout les jeux de cette époque-là. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est un
0 ou 1, quoi. T'as pas 0,5, ça n'existe pas, quoi. Là, tu pourrais très bien passer là et en faire dans un vrai jeu de survie, tu pourrais te démerder. Mais malheureusement, tu ne peux pas dans ce cas de figure. Alors, je vais quand même prendre plutôt le pistolet que user toutes les munitions équipées. Voilà. Même si vraiment, j'ai l'impression que le fusil à pompe n'est pas si puissant que ça, malheureusement. Hein, parce que là, le zombie, normalement, si c'est puissant, tu le shoots. Alors, il y en aura d'autres, sûrement des plus puissants, j'imagine. En tout cas, c'est bien ce que j'espère. Ah, tu peux pas recharger avant, toi. Alors. À terre, bâtard. Je crois qu'il y en a un deuxième, non? Oui. Oh l'enculé! Oh là là! Ouh là là! Attends, je vois un truc qui brille là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne pouvez pas transporter cet objet. Super! Mais je pense que ça va être. Oh merde! Voilà, je t'ai sauvé la vie, mon pote. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est quand même mieux celui-là, non? Attends. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser celui-là. Laisser. Alors, c'est con parce que du coup, j'aurais pas dû le recharger. Mais je vais quand même prendre celui-là. Bon. On va avancer comme ça. C'est vrai que ça me fait un petit peu chier. Attends, me dis pas qu'elle est blessée. Bon, bah, écoute. Voilà. Ah, cette munition. Bah, voilà. Ça me fait un petit peu chier de laisser des armes comme ça. Mais bon, finalement, je pense que c'est la stratégie du jeu. Là, le bidon d'essence, bah non, de toute façon, il a trois cocktails Molotov, je les ai pas encore utilisés. Et en termes d'espace, ah bah si, j'ai de l'espace pour ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a pas d'espace. Par contre, s'il recharge, il pourra le prendre. Je vais faire qu'il prenne. Voilà, je vais faire qu'il prenne. Ok, hop, combiné. Voilà, t'as une petite place maintenant. On va lui laisser garder. Mais non, mais il n'y a rien de spécial, tu te fous de ma gueule ou quoi? Voilà, la statue noire. Je sais pas s'il y a besoin, mais dans tous les cas, de toute façon, il faut toujours un petit peu examiner les trucs. Il y a quoi? Une seule aile sur le dos, ok. Toujours conseillé quand même d'examiner. Alors, par contre, c'est vrai que le grappin, je pense que, en définitive, j'aurais dû le laisser dans le hall. Parce que je pense que comme je suis dans le manoir, je vais y repasser souvent dans le hall. Donc tu le laisses dedans et puis comme ça évite de te trimballer tout le temps. Là, on peut aller là, ok. Non mais c'est bien déjà, on explore pas mal de trucs. On va voir ce qui se passe là-haut. Monter l'échelle. Oui. Je fais bien les zombies, non? Je me suis entraîné, hein. J'ai bac plus 3 zombies hein, quand même, hein, normalement. Alors lui, ça me dit rien qu'il vaille aussi, les mecs, ils sont comme ça, genre. Voilà, je me disais bien. Oula! Putain, ils sont trop stylés leurs trucs. La vache! Il y a quand même du monde là, hein. J'aurais peut-être dû. Attends. Je vais essayer. Équiper. On va voir ce que ça donne. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Tire-lui dessus, bordel! Ouais, ça a pas. C'était pas si cool que ça, l'effet. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, c'est super. J'ai usé quasiment toutes mes munitions. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour des plantes vertes. Ok, bah, j'en ai pas vraiment besoin sur le coup. Il y en a deux là. On va les laisser là. C'est pas que j'ai énormément d'espace du coup aussi non plus. Et... Ah, la porte est déverrouillée. Bon, au moins j'ai déverrouillé la porte. C'est toujours bien de pas te faire bloquer par un endroit parce que c'est chiant des fois, il faut tout refaire le tour, etc. pour aller d'un point à un autre. Mais là, j'ai peur qu'en termes de munitions, je suis un peu juste. Qu'est-ce que c'est? Les épées et chevaliers interdisent tout accès. Bah, tu peux les lever, non? Gros con. Et des fois, tu te demandes si quelqu'un pourrait réfléchir un peu à leur place. Ah bah, Ah, de la lecture. Ça manquait. Règles pour les stagiaires. Voyons voir. Mission du centre de formation. Ce centre se donne pour mission de former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir d'Umbrella Corporation. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux, sans distinction de sexe, de religion ou de race. Ce centre fera des meilleurs candidats, les futurs leaders mondiaux d'Umbrella Corporation, d'accord? Nous espérons que ce centre vous permette de développer vos qualités de leader. Directive du centre de formation. Ah, ok, ces trois mots. Ah, discipline, obéissance et unité.
La dictature. Ces trois mots réussissent, résument les principes que doivent suivre les employés d'Umbrella Corporation et réagissent, régissent, oh putain j'ai du mal, réagissent, à la vie du sous-centre. N'oubliez jamais ces mots. Ah, je pense qu'il va y avoir un truc consacré, vous, totalement à votre formation et faites honneur à vous-même et à la corporation. James Marcus, directeur, machin, mes couilles. Alors, je pense que ces trois mots, s'ils étaient en couleur, c'est qu'il y a une petite raison. Voyons voir sur les ordinateurs s'il n'y a pas un truc à faire. Non, ils sont éteints. On se croirait un petit peu dans Lost. Je sais pas, ça me faisait penser un peu à ça. Je sais pas pourquoi. Lost, c'est vraiment une série que j'adore. Je la regardais entièrement deux fois d'ailleurs. Security system is locked. Please enter system disk. D'accord. Que je n'ai pas, bien sûr. Là, il y a des munitions de fusil à pompe. Par contre, ça peut être sympa. Mais pour ça, on va changer de personnage puisque c'est elle qui a le stock des armes de fusil à pompe et qui a même d'ailleurs le fusil à pompe. Pour même résumer un peu, il y a moyen de sauvegarder. D'accord, ok. C'est pas ça qui m'intéresse, si tu veux. La peinture, je m'en tamponnais un petit peu là. Hein, je veux pas être méchant avec toi non plus, mais bon. On va pas sauvegarder tout de suite, de toute façon, là on s'en fout. Donc ici, on sait qu'il nous faut un disque système. Et il y a plusieurs portes sur lesquelles nous pouvons partir. Donc, on va essayer celle-ci. Qui est la seule d'ailleurs, sinon il faut que je revienne sur mes pas. Je pense qu'on pourrait revenir de toute façon au bout d'un moment sur le hall. Je pense. Là où est... On va peut-être être en hauteur. De... Voilà, oui. Ok, alors là. Quand le bien et le mal s'équilibrent, un nouveau chemin s'ouvre devant vous. D'accord. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'utiliser ça. Ouais, nickel. Ok. Aucun effet pour le moment, bien évidemment, puisqu'il faut que je trouve le bien pour équilibrer avec le mal. Et comme ça, la vérité s'ouvrira devant moi. Donc, attends, bah tiens, je vais en profiter d'être là pour aller laisser le grappin. Je vais laisser juste ici, tiens. Comme ça, au moins, laisser. Hop là. Oui. Par contre, en termes de munitions, je suis un petit peu juste. Qu'est-ce qu'elle, elle aura pas des munitions à me passer, elle ? Échanger, voilà. Voilà. Non. Voilà. Ok. Parce que là, elle a le fusil à pompe, quoi, si tu veux. Hein. On va lui... D'ailleurs, je vais le prendre. Je vais m'équiper du fusil à pompe. Ok, équipé. J'ai des petites munitions. Ça va le faire. Ah, voilà. Ça va être mieux quand même, celui-ci, hein, parce que l'autre, c'est vrai qu'il... Il m'inspirait pas confiance. Alors, est-ce qu'il y a ce vase de céramique, machin, ok. Finalement, ils aiment bien les vases orientaux hein, pour mettre dans les halls comme ça. Et c'est vrai que le manoir ressemble beaucoup. Enfin, c'est un manoir, après, ça ressemble. Mais le concept d'avoir un manoir, je trouve que c'est assez similaire à Resident Evil 1. Je sais pas si on reste beaucoup dans le manoir en définitif. Bon, là, de toute façon, là, ça va être vraiment une... grossir un peu la découverte, c'est-à-dire aller voir un petit peu tous les endroits accessibles, puis au bout d'un moment, ramasser 2-3 trucs. Putain, on dirait, limite, là, avec l'image, là, on dirait qu'il lui pose les mains sur... Enfin, bref. L'urée noire est une saleté innominable. On a peu le nettoyer depuis les lustres. Ah, puis en plus, la piste de zombies, ça sent fort. Ah, là, je sens que je vais sursauter, non. Ok. Alors. Oh, putain, ça me pique le nez, j'ai une allergie, je sais pas... Toujours cette période-là, janvier, février, mars, il y a un truc qui me rend super allergique, je sais pas quoi, mais ça me démange le nez, c'est une horreur. Donc je vais l'utiliser. Par contre, j'ai pas de... Attends, parce que là, il me donne des bidons d'essence, etc. Mais finalement... Ok. Non. Come on. Come on. Voilà. Ce que je suis en train de me demander, c'est que finalement, j'ai pas de bouteille vide non plus. Donc là, le seul endroit... en fait, là, c'était le seul endroit où je pouvais aller, quoi. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Oh, bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, attends. On va y aller avec... Non, ça le fait pas, ouais, bien évidemment, équipé. On va prendre ça. Putain. Oh la vache! Je sais pas si j'ai pris la bonne technique. Putain, ça fait rien, mais tire, grosse conne! Tire, bordel! Ah, putain! Oh la vache, mais il est incroyable! Ah, on se barre! Viens là! Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse merde? Est-ce qu'elle va me suivre?
tiens, on va échanger parce que lui, il a besoin de ça. Ça n'a rien fait, bordel, putain. Et elle, elle est en danger par contre. Hein. Oh, mais attends, mais c'est. Je lui ai mis quand même pas mal de trucs. Alors. Combiné. J'aurais dû me barrer depuis le début, quoi. Pourquoi il y a que 7 balles alors que tout à l'heure il y en avait 8? Non, il y avait que 7 alors, ça se trouve. Bon, on se barre, on se barre. Eh, c'est quoi cette merde là? Oh! C'est un truc de ouf ça! Ça m'a fait peur. ok. Bon, on va rester là, on est en sécurité au moins ici. Bon, bah du coup, je vais m'envoyer là-haut. Voilà. On va aller vers. Parce qu'il y avait l'escalier que j'avais pas visité. Quoique, attends, j'ai pas regardé en haut. Bah, je vais aller voir vers le bas. Il y avait un truc qu'on pouvait aller en bas. Je vais aller voir ce qui se passe. Et mais c'est vrai que ce truc là. Parce que je lui ai mis pas mal, j'ai mis les. Alors, je sais pas si le fait finalement d'avoir utilisé les cocktails Molotov c'était une bonne idée, parce que effectivement, j'ai l'impression que ça lui a rien fait du tout. Alors, si les cocktails Molotov ça pue la merde, je vais arrêter d'utiliser. Bon, on va aller voir en bas ce qui se passe. Faudrait que je trouve une petite herbe. Oh putain, mais oh, c'est fini, oui! Allez, casse-toi. Bon, finalement, on peut pas passer! On ne peut pas passer puisque il y a le spray. Ah, il y a la chaudière, mais il y a des herbes et un verre derrière. Et franchement, le mec, tu pourrais pas ramper là, merde. Oh putain, et c'est vrai que c'est fatigant d'avoir des intellectuels en personnage. Hein. Alors là, j'ai vu des petits trucs papier, non? Alors là, on voit notre reflet. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Là, non, je vais retourner de toute façon sur mes pas. Il y avait une porte que j'ai pas ouverte, remarque. Je pourrais peut-être y aller pour aller voir ce qu'il y a. Oui. Parce que là, si je vais de toute façon par le hall, ouais, j'ai pas trouvé. Faudrait que je trouve une mini-map. Une mini-map. Une map, tout simplement. Pourquoi une mini? Tout simplement une map. Bah, pour en savoir un peu mieux, bah. Je sais pas pourquoi il m'a ouvert le truc là. Allez, on monte l'échelle, on va refaire le petit tour et on va se retrouver dans la truc avec les disques. Et on va essayer d'ouvrir la pièce qu'on n'a pas encore ouvert. Alors par contre, s'il met que des monstres comme ça qui sont increvables, on n'est pas sorti. Hein. Alors par contre, je vais maîtriser lui parce qu'il a besoin d'une petite herbe verte. À mon souvenir, il y a des herbes vertes. On va l'utiliser. Utiliser, voilà. Et l'autre, on va la ramasser, on va la garder. Ok. Ok, ça peut servir. Bon, finalement, au niveau de l'inventaire, on n'est pas trop mauvais. Ah, j'aurais dû récupérer le fusil à pompe avec lui tant que j'étais là à côté. Il y avait 2 balles dedans, ça aurait pu servir. Parce que là, il a combien de munitions, lui? Bah, il en a 0, il faut bien que j'ai une arme. Ça me fait faire un petit détour, mais je vais en avoir besoin. Parce que là, j'ai rien du tout. Au pire, je le laisserai, mais c'est vrai que il y avait 2 munitions dedans. Et on sait jamais si je tombe sur des zombies. Ça peut servir d'avoir quelques petites munitions. Je suis vraiment pas habitué à jouer avec ce système de stratégie où il faut vraiment calculer, laisser les endroits, les objets à certains endroits, etc. Alors, ok, du coup je vais en profiter pour ramasser le bidon, au moins je vais combiner les deux. Enfin, si. Je sais pas si je peux combiner les deux parce qu'il me marque 3. Alors attends. Ah, il marque. Ah non, 6, 12, voilà. Bon bah, je peux combiner les deux. C'est déjà une bonne chose. Attends, je vais refaire ça. Équiper, voilà. C'est 2 munitions, mais. Au moins, ils ont chacun leur fusil à pompe. Faudrait quand même trouver des petites munitions de pistolet, ça serait pas idiot. Bon, là, on a 2 pièces, à ce que j'ai pu voir, 2 pièces invisitées. Ça se dit invisitées? Je sais pas. Inexplorées, voilà. Je pense que là, c'est correct, mais invisitées, je crois pas que ça existe. Ah, il y a des fois, j'ai du mal avec le français. Hein. Bah, c'est vrai qu'on... On oublie un petit peu à force d'être au Mexique, c'est vrai qu'on parle espagnol, etc. C'est marrant des fois les gens qui disent « Ouais, t'es au Mexique, tu parles mexicain ?» Et bien sûr, tout à fait, au Brésil tu parles brésilien, etc. Non, on parle espagnol, et puis portugais au Brésil, pour ceux qui ne savent pas. Bon, après, il y a des gens qui ne savent pas, hein, je veux dire, bon, moi je le sais parce que j'y suis, mais enfin je le savais même avant d'y être, mais bon. Alors, on ne peut pas tout savoir dans le monde non plus, hein. Donc, voyons voir ce qu'on a derrière cette pièce-là, j'espère qu'il y a... Bah d'accord, j'entends déjà les bruits de pas. J'attends qu'il s'approche un peu parce que j'imagine qu'il y aura un peu plus d'efficacité à courte distance. Voilà, j'ai plus de munitions. Donc, je vais m'occuper de ça avec elle. Putain,
Et là, ce que je lui éclate la tête là. Oui, ben bah voilà! En fait, faut attendre qu'ils viennent et tu leur exploses la tête à ces gros cons. Voilà, bon, on va faire cette technique-là, ça ira un peu mieux. Alors là, voyons voir un petit coup pour éviter des surprises. D'accord, on peut pas aller là au bout de toute façon. Là, c'est une porte. On clique un peu dans les petits coins, on sait jamais. Des fois qu'il y a une petite map, on va aller là. Ok. Bon, alors du coup, j'ai bonne technique parce que c'est vrai que là, je gâche beaucoup de munitions et finalement, j'en trouve très peu. Donc je vais essayer d'att je vais attendre qu'ils viennent vers moi pour... Oh, la map. Voilà. Pour leur exploser la gueule. Ok. Bon. Au moins, c'est qu'ils t'indiquent directement les pièces que tu peux ouvrir ou pas. Donc déjà, tu gagnes un petit peu de temps. Il y en a une en haut que je n'ai point ouverte. Je vais pas pouvoir m'échapper. Là, je vais pouvoir aller là. Ouais, non, je vais pouvoir y aller comme ça. Ok. Ça marche. Et là, derrière, comment on y accède? Ah, on accède à celle-ci, etc. Donc, il me reste encore une pièce inexplorée ici. Ok. Et par le bas, je ne peux pas y passer de toute façon. Ok, bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je suis sûr qu'il y a des choses à récupérer. Déjà, je vois un truc qui brille ici. Une carte magnétique. Bah, nickel, ça va être dans l'ordinateur direct. Ça va être... Ah, c'était fermé celle-là. C'est fermé. Ah, bah, d'accord, juste c'est fermé. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ah, quelqu'un a utilisé. Cependant, il n'y a plus l'air de fonctionner. Non, je vais pas le récupérer. De toute façon, on peut pas sauvegarder ici, donc je vais pas non plus m'encombrer de ça. Quoique, remarque. Ouais, je sais qu'il est là, c'est bon, je m'en fous. Hein, c'est pas, je vais pas sauvegarder non plus toutes les 2 secondes. Ah, qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Une manivelle. Attends. Un système de contrôle de treuil d'ascenseur. Il y a un creux carré dans le panneau. Ah, mais j'ai pas la manivelle, justement. Il faut que je trouve la manivelle. Ok. Et ce qui me permettra d'accéder à ce petit ascenseur. Ok, bon. Là, il n'y a rien. Je pense que on peut partir maintenant. Je crois que j'ai tout visité. Il y a le truc pour descendre. Ok, on va aller visiter donc la dernière pièce qu'on puisse ouvrir. Et voir un peu ce que ça nous donne. Et bah, c'est déjà pas mal. On a fait quand même une bonne petite exploration du manoir. Avec un monstre qui m'inquiète un peu, vraiment. Parce que... Non, c'est de l'autre côté. Parce que je me dis, avec un monstre comme ça, avec le mal que j'ai eu à le buter, et le mal qu'il m'a fait aussi, parce qu'il nous a mis tous les deux dans le mal. Je veux dire, là, encore un coup, on était les deux morts. Enfin, il suffit qu'il y en ait un des deux qui meure pour que le jeu s'arrête. Donc, effectivement, ça me ferait un petit peu chier. Donc là, on va aller voir, parce que là, j'avais l'ordinateur là-haut, et je crois que j'ai ramassé une clé. Pourquoi ça me... Oh, encore, c'était... Ah non, non, c'est par là. On va aller voir par là. Mais non, mais si, bah voilà. Je sais pas pourquoi j'avais du mal sur le contrôle. D'un coup, j'étais un peu, j'étais paumé dans l'espace-temps. Est-ce que là, la disquette, ça peut servir? Bah oui, je change de personnage. C'était exactement ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça alors. Bah, c'est quoi le truc alors là? Examiner. Ah, c'est un... Ah, d'accord, ouais, c'est un microfilm qu'on va mettre dans un projecteur. Ok, donc c'est pas du tout ça. Il n'y a pas un projecteur qui traîne là? Non, bon, bah écoute. Autant pour moi, autant pour moi. Je suis là pour partir, clac-clac, ok. Bon, allez, on va visiter la dernière porte du coup. Alors, il va y avoir un projecteur quelque part pour visionner le microfilm. À l'intérieur, il va y avoir un petit code caché, presque même, j'ai envie de dire. Alors c'est pas ici. Il y en a là, Robert. Il s'appelle Robert maintenant. Il a décidé de changer de nom. Billy, ça ne l'aimait pas. Bon, Robert, c'est quand même mieux. Moi, si j'ai un fils, je l'appelle Robert. Et si j'ai une fille, je l'appelle Yolande. Voilà, Yolande et Robert. Je trouve que ça passe bien. Bon. Ah, il y a un truc à lire. Attends. Parce que j'aime bien la lecture, moi. Avis à tout le personnel! Ce document semble très vieux et il est quasiment illisible. Bah, d'ailleurs, les équipes travaillant sur les vaccins et les agents infectieux se réuniront régulièrement. Ces deux réunions sont classées niveau de sécurité 5. Elles seront tenues dans les salles suivantes. N1 Ouest, salle de contrôle, machin, ok. Le code d'accès est 8h15. Merci. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de lire parce que tu as toutes les informations dedans. Ah! Oui, bah voilà! Manivelle! Ok. J'ai trouvé la petite manivelle, ça fait plaisir. J'entends des corbeaux. Va, putain! Alors, j'ai pas assez de munitions pour m'attarder aux corbeaux.
Il n'y avait pas un truc qui brillait. Non, on se barre. Allez, on se barre de là. Les corbeaux, ils peuvent aller niquer leur mère. De toute façon, je crois que je vais arriver à les esquiver. Je me disais, j'entends des corbeaux. Ça pue du cul. Voilà. Non, mais il y avait un truc qui brillait, mais c'était la manivelle, je pense bien, de toute façon. Hein. Oui, c'était ça, c'était la manivelle. Bon, bah écoutez, la manivelle, il faut aller l'utiliser là-haut. Je pense que ça va me déverrouiller sur pas mal d'autres choses, mais on va laisser ça pour le prochain épisode. On va s'arrêter là pour cette nouvel épisode. Donc, ça a été l'exploration du manoir avec un monstre inquiétant, parce que si j'arrive pas à le buter, je pense que la suite va être relativement compliquée. Et j'ai un peu peur également sur la gestion des munitions, parce que je trouve très peu de munitions et j'ai tendance à les utiliser un peu pour rien. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Voilà, donc c'était finalement un épisode bien sympathique. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à donner votre avis, un commentaire également, un petit pouce vert pour le soutien de la série, ça fait plaisir. Merci encore de la suivre avec moi, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée. Que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.